Voilà le kit célébrité. Le kit célébrité est un peu plus cher. Ça coûte la même chose que le kit commerce. Les deux kits qui sont un peu chers, c'est le kit célébrité et le kit commerce. Mais le kit célébrité, tu sais que tu es censé être connu. Voilà. Tu as commencé à sur les réseaux sociaux depuis, mais tu n'as pas de... On ne te voit pas. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà le kit qu'il te faut. Voilà le kit qu'il te faut. Tu prends ça, tu vas faire le lavage avec. Tu vas te laver, tu vas... Il y a d'autres choses dedans que tu vas te oindre avec. Il y a d'autres... Surtout, il y a une poudre et un savon dedans. Ça restaure ton étoile. Il y a des choses dedans que tu vas verser normalement là où tu vis. Parce que parfois, on vous bloque comme ça là que... On est venu verser les mauvaises choses dans votre maison. Il y a aussi des choses pour enlever dans votre corps. Les blocages que vous avez dans le corps. Pareil, c'est ici. Voilà. Là, c'est le kit célébrité. Maintenant, il y a un nouveau kit dont j'ai parlé la dernière fois. Voilà le kit visa. Kit visa et voyage. Donc, tu veux demander le visa peut-être pour voyager. Et tu es bloqué. Voilà le kit. On livre aux États-Unis. On livre partout dans le monde. Il n'y a pas un pays où on ne livre pas. On livre partout. Donc, ce kit-là, c'est pour restaurer tes papiers, permettre que tu puisses demander le visa et qu'on te donne. Mes produits, c'est pour que tu obtiennes ce que tu veux. Mes produits, ce n'est pas pour que j'avais fait, non. C'est pour que tu obtiennes ce que tu désires. Voilà. Donc, là, c'est le kit visa. Maintenant, il y a le kit de désenvoûtement. Le kit désenvoûtement, donne-moi juste une partie de ce kit-là. Voilà, donne-moi une partie. Voilà. Le kit désenvoûtement a été conçu, je l'ai conçu aujourd'hui. C'est pour les personnes qui ont quoi? Il y a beaucoup de produits dedans. Donc, tu vas partir sur un traitement de 9 jours. Les hommes te rejettent beaucoup. Tu fais souvent les rêves où tu te vois, on est en train de te peut-être enterrer. Tu te vois dans une tombe. Tu te vois peut-être comme si on te forçait pour t'amener quelque part. Tu es dans une cage, des choses comme ça. Tu as aussi peut-être eu dans le passé, on t'a dit que voilà, tel oncle a voulu te prendre à la sorcellerie, les choses comme ça. Le kit des envoûtements, c'est pour toi. Peut-être on a commencé à travailler sur toi. Tu as même déjà eu à manifester une fois. Le kit de vente des envoûtements, c'est là, c'est pour toi. Tu prends ça, tu t'assois. 9 jours quelque part, tu travailles. Il y a les thés dedans que tu vas boire. Il y a l'autre que tu vas te purger avec. Il y a l'autre que tu vas faire le bain de fumée. Il y a l'autre que tu vas verser à la maison. Il y a l'autre que tu vas te oindre avec. Donc, il y a un nouveau produit dedans. Il y a l'autre que tu vas même déposer. Donc, il y a beaucoup. Ça, le kit, c'est là. J'ai beaucoup de personnes qui travaillent sur vous. Beaucoup de personnes ont manifesté ces derniers jours-ci. Et je me suis dit, ceux qui ne peuvent pas venir au Cameroun me voir, comment est-ce que je travaille sur vous? Donc, le kit des envoûtements va vous aider pour pouvoir vous débarrasser des serpents dans vos ventres-là. Les fibromes. Beaucoup de femmes qui ont le fibrome dans le ventre-là, c'est l'envoûtement. Vous ne savez pas ça? Beaucoup d'entre vous ont les fibromes dans le ventre. Il y a les serpents de vos familles là, qui sont assis dans vos ventres. Donc, ça, c'est pour dealer avec eux. L'argent que tu touches, ça ne tu le vois jamais. Tu touches, tu ne vois pas l'argent. Tu as envoûté ma chérie, il y a un esprit qui est sur toi, qui prend ton argent à chaque fois. Donc, il te faut le kit des envoûtements là qu'il te faut. J'espère que vous avez compris. Prends ça, tu t'assois, tu fais. Tu lèches ce qu'il faut lécher. Tu bois ce qu'il faut boire. Tu te purges avec ce qu'il faut te purger. Tu te laves avec ce qu'il faut te laver. Tu fais la totale en fait. Et à la fin de tous mes produits, vous faites le salaka. À la fin de tous les produits que je vends, tu fais le salaka. C'est-à-dire, tu prends à manger, tu donnes aux gens. Biscuits, bonbons. Voilà, comme le travail qu'il vient de faire, là, il est seul sur le travail. Parce que quand tu. La Bible dit que quand on exorcise quelqu'un, quand un esprit sort d'une maison, vous ne remplissez pas la maison. Il part, il cherche 7 autres. Il revient. Donc, il revient 8. Au départ, il y avait un, mais il y a 8 qui reviennent. Donc, quand on ne clôture pas bien ton travail spirituel, ce qui va se passer, c'est que l'ennemi va encore revenir s'asseoir dedans. Les gens qu'il faut désenvoûter, là, tu es dans un. Voilà l'autre que. On vient de changer mon statut en France sans diplôme. Tu vois. Parfois, tu es en France depuis longtemps, tu as fait 8 ans, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de boulot. Il y a une tante qui est au village qui est assise sur toi. Oui, elle te contrôle à distance. Souvent, tu rêves, tu la vois dans le rêve, tu te réveilles, tu dis que je l'ai vu, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Tu as envoûté, mamie. Elle te dit, waouh, tu as envoûté. Tu rêves souvent, tu as les sautes d'humeur. Tu as les sautes d'humeur. You're moody. Moody. En anglais, on dit moody. Ton mood, ton humeur change. Bipolaire. Vous êtes envoûté. Et ces esprits, c'est parfois des esprits générationnels. Et leur but, c'est que vous ne soyez pas heureuse. Parfois même, chaque fois que tu portes une grossesse, ça part, ça sort. Pourquoi? Envoûtement. Ils sont là dans le ventre, ils contrôlent. Ils contrôlent ton ventre.
Et beaucoup de ce que je vous dis là, quelque part, vous savez ça dans vous-même. Donc, prenez le kit de désenvoûtement va beaucoup vous aider dans ce sens-là. Voilà.